Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, on y va pour le sommaire. Victime de plusieurs vols depuis quelques jours, Marie-Michèle Levaillant, armée d'un gourdin, s'est défendue face à deux malfrats dans sa cour à bambou. Le suspect et son complice qui ont pris la fuite sont actuellement recherchés. La peur s'installe à Saint-Hilaire après la découverte d'un fusil caché sur un arbre. Certains habitants ont peur des représailles après cette saisie. La police soupçonne un important réseau d'armes illégales dans le sud du pays. Coup de tonnerre ce lundi sur le marché des devises avec une dépréciation de la roupie de 3,5%. L'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen, s'étonne de cette hausse conséquente alors que la CIM s'inquiète du sort des consommateurs. 9 personnes dont Bruno Lorette ont logé une plainte contre la vaccination de la Covid-19 en Cour suprême cet après-midi. Ils disent tous être contre les règlements en vigueur. L'affaire sera appelée le 15 juillet prochain. Euro 2020, la France croisera le fer avec la Suisse pour une qualification en quart de finale. À la fin de ce journal, retrouvez HFAX à Roy pour une nouvelle édition d'Euro Le Mag. Marie-Michèle Levaillant, une pensionnaire de 65 ans, a été la proie des voleurs depuis ces derniers jours. Jeudi dernier, deux malfrats ont fait éruption dans sa cour pour voler des poules, des coqs et même ses denrées alimentaires. Le lendemain, elle a vu les mêmes intrus entrer dans sa cour, armés d'un gourdin. Elle a franchi sur les voleurs. L'un d'eux a pris la fuite et le second a reçu des coups sur plusieurs parties du corps. L'autre mercredi passé, une coca 13 000 opérations pour moi. Moi, je suis une pensionnaire, moi, j'ai 65 ans. Je gagne un petit bout de travail, je vais aller mal travail qui fait pour ne pas manquer non rien. Nous rentrons encore 13 000 rations pour moi. On reste net sans manger pendant 2 semaines. Ça m'a demandé si je pouvais manger. Jeudi, là, on fait rentrer encore là, une coquin. 2 gros coqs avec 3 poules. Vendredi, ils m'ont veillé, ils reviennent encore. Vendredi, une sorte de barrage là. Ils viennent faire comme ça. Ils peuvent guetter la balle. Ça la porte là, vous ne pas trouver. Ils peuvent la balle. Ils viennent là dans le coin là. Puis ouvrir la porte pour tirer pour le médo. Mais là, mon tap du bois, mon litre du bois, nous litons nous tous les deux. Mon batterie la première pour mon risque d'amener de mon batterie là. Elle n'a personne avec un batterie, il sauve lui. Il a l'amener risque couteau, des risque couteau. Son tricot sorti le lit. Il quitte sac, il quitte couteau, tout y a. Dans ce sac, c'est la chimique. Mon papa a pu dire, c'est la chimique, c'est la drogue, c'est la seringue, tout dans ce sac. Il quitte sac, la mine allait. Mais ça, il ne pense pas qu'il allait. Plusieurs fois, mon almette plein d'attestation. Plusieurs fois, il fait ça au moins. Encore qui fait à cause de tout seul. Donc, c'est une bonne pénitence. Nous pouvons souffrir. Moi, je dis, mon dans la rase à 65 ans. Mon père est sans manger à cause voler. Vendredi là, si on passe la courage voler, coupe-moi un couteau. Il coupe-moi un couteau chinois. Un coq peut vendre 1200 roupies. Hein? Mangez-nous des coqs. Le suspect et son complice sont actuellement recherchés. La peur s'installe chez la famille Rose à Saint-Hilaire après la découverte d'un fusil et 4 balles de calibre 12 vendredi dernier et appréhende des menaces. Le fusil était recouvert d'un morceau de tissu et se trouvait dans un sac en plastique qui était caché sur un arbre. Un des habitants de la localité qui a retrouvé ce fusil en 3 pièces a aussitôt alerté la police. Témoignage. En fait, samedi matin, mon matin, dimanche, mon topier cassé un sac. Donc on monte là-haut, une casaque là, on peut descendre. Puis il y a une petite fleur. On a découvert un sac plastique, on a tassé. On dit en bas, on a coupé les mains. On trouve un fusil là-dedans. On a un fusil à 3 bouts. La police est là-bas, ils m'ont vraiment. Il était 4 balles là-dedans, 4 cartouches. C'était la police qui a mis un fusil là. Puis on a une série là-dedans. On a été à car, on a dit qu'il y a une petite tuile, une fusil qui a mis de la cour contre nous. Puis ils sont mettés là. On m'attend même une première affaire, j'ai un fusil. Là, quand il y a un problème, je dis qu'il y a un médecin là. Quand il y a une menace, on est. Il n'y a pas tout flanc, il n'y a pas vraiment aucun. Je dis voilà, il y a un acte. Si je mets un autre, même si je monte le pied, tout va chez Kadjem pour moi. Parce qu'il y a un vasin. Si je monte le pied, il y a 3 bouts. C'est une longue la goule, avec un petit lamonce carré en du bois, avec un soulevé de la pompe. Il y a un stélie, il y a un fusil à longueur. Il y a 4 cartouches d'un plastique encore pour le neuf. Je n'ai pas pris d'un drap à 3 bouts. Je mets d'un plastique. Je reprends un autre plastique poubelle. Je mets un tasse en taille. Moi, j'ai dit, un porcel. Une force de la yann. Il y a un coup de plastique là, un plastique noir qui est garotté.
tout mon coupli, un autre sac plastique, un drap enveloppé. Tout mon gris drap là, ça tombe. En même temps, je dis, ça va qu'à côté, j'ai fait un téléphone, la police. Même la police est venue. Après cette saisie, la police soupçonne un important réseau d'armes illégales dans le sud du pays. À plusieurs reprises, des armes du même calibre ont été volées dans des maisons et des chassés. Sur 4 cas rapportés, seulement un a été élucidé jusqu'ici. Tout à fait autre chose à présent, onde de choc sur le marché des devises. La roupie a connu une nouvelle dépréciation de 3,5%. L'euro s'achète désormais à 51 roupies 47 sous, le dollar américain à 42 roupies 95 sous, encore 60 roupies et 4 sous la livre sterling. Selon les économistes, cela impactera sur l'importation, alors que les défenseurs des droits des consommateurs affichent l'inquiétude. Le porte-monnaie des Mauriciens va encore une fois s'appauvrir selon eux. Dossier signé Émilie Payenne, Kavina Ramparsad et Mélanie Duval. Le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, Jayen Chellum, prédit une crise sociale si le gouvernement n'impose pas un contrôle des prix des denrées alimentaires. Ce que nous trouvons pour arriver, c'est qu'il nous faut gagner des mondes au bas de l'échelle pour trouver ça encore plus difficile et c'est ça là qui est plus affecté. Mais nous ne pouvons pas comprendre ce qu'a dit qui fait le gouvernement n'a pas pu mettre contrôle prix. Moi, mon compte, nous pouvons déboucher une crise sociale plus par devant si le gouvernement continue, reste dans l'attitude qu'il n'est pas allé agir. L'économiste Kevin Tirovengadum se demande s'il ne s'agit pas d'une stratégie 2 jours avant la clôture de l'année financière. Est-ce que c'est une tactique PCRV pour capable de renflouer les caisses de la Banque centrale, surtout en roupie, sachant que la semaine dernière, le rapport FMI mentionne le fait que la Banque centrale, disons, recapitalise ce bilan. L'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen, s'étonne, lui, de cette hausse conséquente en une seule journée. Mais tout riche a fait la devise rentrer. Alors, le même problème de devise, et la Banque centrale pas intervenir suffisamment, et les clients, beaucoup d'économistes, si j'ai dit, ben, pour une dépréciation. Là, c'est l'affaire qu'ils n'ont pas connaît. Si pas sa dépréciation reflète les fondamentaux de l'économie, ou bien c'est une façon aussi pour qu'ils réservent augmenter en roupie. Il est d'avis que cette dépréciation fera des gagnants et des perdants chez les premiers nommés. On retrouve ceux engagés dans l'export, alors que les grands perdants restent la population avec un impact cruel sur ceux au bas de l'échelle. Aussi à la une ce soir, 9 personnes ont logé une plainte contre la vaccination de la Covid-19 en Cour suprême cet après-midi. Parmi 4 enseignants, une responsable de ressources humaines dans une firme de comptabilité, un parent des retraités ainsi que le travailleur social Bruno Lorette. Ils disent tous être contre les règlements en vigueur. Concernant la vaccination, ils ont retenu les services de l'avocat Sanjeev Tilakdari. L'affaire sera appelée en Cour suprême le 15 juillet prochain. Il y a une grande inquiétude dans ce pays. Tout le monde ne le dit pas, mais il y a une grande inquiétude. Et évidemment que la pandémie, c'est quelque chose de grave qui nous a tous atteints, plus ou moins, mais le remède de la pandémie qui serait le vaccin, nous avons un souci vraiment avec l'obligation du vaccin. Je suis là simplement pour dire effectivement que ma fille est enseignante, je ne souhaite pas qu'elle soit vaccinée. Elle ne souhaite pas non plus. Et entre perdre son travail et être vaccinée, je crois que le choix va être très vite fait. Moi, je suis maman célibataire de 2 enfants de 12 et 15 ans. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. Parce que je suis pas anti-vaccin, c'est juste que je suis contre le vaccin obligatoire. Et qui plus est, un vaccin qui n'a pas été prouvé que c'est 100% efficace. Ça existe depuis peu. C'est pas un vaccin qui résiste de test of time. Donc, moi, ma demande, ma démarche en tant que citoyenne, c'est de me laisser le libre choix de disposer de mon corps, de m'injecter le vaccin que je veux, ne pas m'obliger à le faire et par la suite obliger mes enfants qui n'ont même pas encore profité de leur adolescence. Ça me fait peur parce qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences de ces vaccins-là et ils ont toute leur vie devant eux. Donc, en tant que maman, c'est mon devoir de défendre le droit de mes enfants. On se retrouve après cette pause. Ça fait longtemps que nous attendons ce retour à la liberté.
Sidona, Perona et la fête continue. Offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice Maudienne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together. Amriz, sparkle your lifestyle. Étudiants du Mauritius Institute of Education ont procédé ce lundi à l'inauguration d'un panneau solaire en présence du directeur du MAI, Om Varma, un panneau qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Donc ce projet, ça consiste à travailler un projet sur l'énergie renouvelable. Et ça a été fait dans le contexte d'un module qu'on a au niveau du billet d'honneur de 10 ans à l'INTEC. Donc le billet d'honneur, c'est fait pour les profs. Donc ici, on fait la formation des profs pour qu'ils puissent aller enseigner dans les écoles secondaires principalement. Le sujet est design intec, comme c'est à l'école, dans le programme d'études. Et ce qu'on a voulu faire ici au niveau du département, c'est de bouger un peu des technologies traditionnelles, si je peux dire, et d'aller vers le green design, vers le sustainable development, qu'on appelle. Et ce projet a été fait dans ce contexte. Et ça, on a eu l'apport d'un groupe d'élèves, comme je l'ai dit, un billet, avec 8 étudiants, et avec le support du prof qu'on a ici, M. Ramsamy. Donc, on a monté le projet et ce projet a été conceptualisé de zéro, je veux dire, à la fin comme produit final par les élèves ici. Et même la réalisation, même si vous allez voir le poteau, les lumières et tout, ont été conceptualisés ici au niveau du département. Donc, même les circuits ont été montés ici. Bien sûr, on a acheté les composants et on a monté les circuits. Et il faut se rappeler, un projet comme ça, c'est pas seulement un projet sur l'énergie renouvelable, c'est l'intégration de tout un panoplie de connaissances et de skills ceci qu'ils ont obtenu pendant les années qu'ils ont fait à la MAI. Nous n'avons pas beaucoup d'idées, mais c'est continuité actuellement
avec Covid, etc., n'est pas réalisable. Mais m'espérer bien prochainement que toute nouvelle idée qu'ils ont envie de faire, ils viennent réalité. Là, pour l'instant, nous commençons ça, mais il y a beaucoup les autres élèves qui derrière nous, dans l'année petite qui nous, quand on a fait monter, ils ont gagné ça, comment dire, un modèle, pour qu'ils ont continué dans cette loi, sans faire plus que ça. 300 000 roupies par mois, c'est ce que recevra la Mauritius Sailors Home Society du Seafarers Welfare Fund chaque mois. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties cet après-midi à Mer Rouge. Ce fonds servira à financer l'offre d'un service complet aux marins, incluant refuge, salon de coiffure, services médical et dentaire, entre autres. Il y a un moyen qui nous peut signer là, pour chaque mois, Seafarers Welfare Fund pour verser 300 000 roupies à Mauritius Sailors Home Society. Moi, je peux lancer un appel, bien sûr, c'est qui concerne les dépenses. C'est ça qui est très important. C'est l'argent dans l'intérêt de marin. Il ne faut pas oublier que le compte de Seafarers Welfare Fund est utilisé par le bureau de l'audit. Alors, j'ai besoin très, très, ce jour-là, j'ai besoin que les équipes, chaque sou qui est dépensé, je dois veiller que si c'est pas nous l'argent, c'est l'argent de marin, c'est notre bien-être. Donc, moi, je vais dire que le CSA compte là très bien. Et en tant que ministre, moi, j'ai un rêve pour le marin, moi, je souhaitais que Boat Seafarers Welfare Fund réalise mon objectif, qui nous fait fixer, qui surtout vont nous révéler. On a envie de faire quelque chose pour le marin. On a envie de donner l'instruction pour qu'il nous assiste, tout le monde a qui est ainsi, qu'il s'agit de matelas, de lits, réfère la chambre, mettre le wifi, mettre un gym, mettre les indoor games, et aussi nous assister minibus, pour qu'il y ait carrément tout le marin qui vient prendre jeu. Amène les autres, faire un tour de l'île, nous faire shopping. Tout ce qui concerne bien les bas de marin, tout cela, moi, je pose avec le chairman. Il vous invite avec tout cela dans le jour où on les dire avec. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'avenir, comment ça se fait déjà? Tout à fait autre chose à présent. Bonne nouvelle, pour Saint-Frère, ils ont remporté 7 millions de roupies lors du dernier tirage de la loterie verte. Le ticket a été validé par Port Providing Supermarket à la route Bassin à 4 bornes. Ces frères qui jouent depuis le lancement de la loterie verte ont plein de projets en tête. Aujourd'hui, nous avons remporté le premier lot, loterie verte. Nous sommes 5 associations, nous avons. C'est moi qui en sort ça, mais là, nous avons gagné une jolie somme de l'argent avec la loterie verte. Nous avons pensé, avec ça l'argent-là, nous pouvons faire un progrès dans la famille en cours, nous pouvons faire un prière, et puis nous pouvons nous amuser un peu, qui nous gagne après le temps, soit nous jouer, la chance pour nous, cette fois-ci, la chance vraiment pour nous. Hein. Nous sommes bien contents, toute la famille en joie, et nous souhaitons. Monsieur notre texte, bonne sens, conscient, fait toute la famille dans la population heureux comme nous sommes heureux aujourd'hui. Merci notre texte, merci notre hiver. Et on clore cette édition avec le film Fast and Furious 9 qui a connu un démarrage record aux États-Unis. Pour son premier week-end d'exploitation, le film d'action a réalisé 70 millions de dollars de recettes, soit le plus gros démarrage dans les salles obscures depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Il s'agit tout simplement du meilleur lancement depuis Star Wars 9 fin 2019 à l'échelle mondiale. Fast and Furious 9 devient sans surprise le deuxième plus gros succès du cinéma occidental avec 404 millions de dollars de recettes. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre l'édition d'Euro, le mag avec HFAX à Roar dans quelques instants. Merci et bonne soirée à vous tous. Zout, mais qui sont ça? Aïe, aïe, aïe! T'es pas capable de salter l'eau, la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa moque à moide. Cause it's a délo terrain vague. De poupée, 3000 roupies la manne. Dimoni, cause it's a dé dans le drain. Dimoni, cause it's a dé dans la rivière. Dimoni, cause it's a dé partout, partout. Dimoni, pour dénoncer. Cause it's a délo la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dimoni, cause it's a dé commercial, industriel. La casse aux animaux. Ou bien débris, construction dans la nature. De poupée, 25000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dimoni, tiens ou photo. Nikozou, le WhatsApp, numéro 50 51 51. Dimon Nikozou, ensemble nous changeons nos comportements et nous protégeons nous l'environnement. Dimon li content ou la nati li content ou aïe aïe aïe.
C'est une campagne ministère l'environnement. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services, valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit KICAdvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. À l'occasion de l'Euro 2020, KDR Électromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité! Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de KDR Électromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kdrelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 2660 pour vos réservations.